sait ce que je lui ai dit. Faut qu'elle soit très intelligente. Couper les ponts, venir couper définitivement. Elle aussi doit couper les ponts avec lui. Vraiment. Définitivement sur tous les plans. Oui. Et qu'elle se concentre sur son enfant. Parce que, ma faute, tu n'es pas une enfant. Toi, les femmes camerounaises doivent t'écouter. Tu connais tout le système. Il y a des hommes qui ont le don. C'est leur travail. Ils ont un don. Ils vivent dans un monde imaginaire. Et quand ils te mettent dans ce monde, tu ne vas pas t'en sortir. Tu es dans un monde imaginaire. Il y a des gens qui vont venir te dire qu'eux, ils travaillent avec les services secrets de la présidence du Cameroun. Depuis 20 ans, le monsieur s'est convaincu de ça. Il vit ça. Lui met dans son esprit les derrière et services secrets. Il te met dans ce film, tu es dans un schéma. Non, il a mis toute sa famille dans un... Et puis, c'est quelqu'un qui pratique général. C'est pas quelqu'un qui est... Ce monsieur, il parle aux femmes avec... Je pense qu'il mâche les écorces avant de parler aux femmes. Quand moi, je m'assois, je me pose la question aux Camerounais. Des spécialistes du schéma, vous mettez un schéma. Un Congolais, vous vous mettre les femmes camerounaises dans un schéma. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Toute la formation du schéma qu'on vous a donné au village, dans les communes, vous ne mettez plus en pratique, c'est un Congolais qui vient vous mettre un schéma. Ouais, les Camerounaises, vous avez fait fort. Mon général, c'est un bon parleur. Il parle bien, il est rassurant, il a répondu. Non, mais c'est, attendez, mais ça, c'est le don du Camerounais. Ça, c'est ça, le Camerounais, le Bamoun, le Bamileke, c'est le don du savoir parler. Comment peut-on vous mettre dans le schéma? Les Camerounais, expliquez-moi un peu, ça, c'est la honte. Vous, les spécialistes du schéma, on vous met dans le schéma, maman. Côte diamantaire, on vous met dans le schéma et on va dormir chez l'ami de, on va dormir au salon sur le canapé, maman, à 23 ans. Mon général, tu es au courant que il a dormi 2 jours dans un salon de coiffure même à Paris là? Non, ça je suis pas informé. Ah oui, il a dormi quand ta cousine l'a mise. Il ne voulait pas aller chez ta cousine chez qui il vit parce que quand il est à Paris, il dort de temps en temps là-bas chez la mère de ses enfants. Et un jour, il allait dans un salon de coiffure, on voulait fermer. Il voulait pas partir parce qu'en fait, il avait payé l'hôtel, avait une fausse carte bleue et ça ne passait pas. Les meublés, là, il n'avait pas où les vivre et dormir. Et il est parti dormir dans un salon de coiffure avec la petite. Oh! Oui? Maman! Elle a confié à sa mère qu'ils ont dormi. Le monsieur, à l'heure de fermer le salon, ils ont fermé de l'intérieur. Ils ont dormi sur le canapé du salon. C'est-à-dire, jolie fille comme ça, 23 ans. Hey. On te mange sur un canapé de salon de coiffure. Oui. Ouais, la fille là, il faut qu'on me l'envoie, je vais la laver une onction. Non, il faut que je la délivre. Quoi? Maman! Une Camerounaise, métisse, et lancée, tous les amortisseurs au complet. Non, c'est ça. Miss de Monaco là. Miss de Monaco, oui. On te mange sur un canapé d'un salon de coiffure, ouais. Maman, il faut que la fille, on la lave. On doit la laver avec les écorces. La petite, elle a acheté son petit chat qui s'appelle Mia. Donc, elle a dit qu'elle va donner... Maman, j'en veux plus. Je me suis acheté mon petit chat maintenant. Ça va plus. Le chat, ça va comment? J'en veux plus, moi. Je veux rester toute seule avec mon petit chat. Maman, donc, le chat s'appelle comment? Mia. Et tu ne sais pas la meilleure. Le monsieur âgé des captures d'écran. Le monsieur, il change. Les gars, mettez le cœur, partagez le direct. Le direct devient intéressant. Mettez le cœur, pardonnez. Envoyez le cadeau à Mafo. Dis-moi, dis-moi, il a fait quoi encore? Donc, du coup, il change des numéros. Et la petite dit, maman, j'en veux plus de lui. J'en veux plus, là. J'ai acheté mon petit chat, je vais lui donner tout mon amour. Il s'appelle Mia, je me suis occupée de Mia ce matin. J'ai donné son lait. Je suis allée au travail. Naïf comme ça qui voulait aller se marier avec un bandit, un marmailleur. J'ai dit, mais c'est une petite naïve comme ça qui devait aller se mettre avec. Non, elle n'allait pas supporter ce mariage. Quand j'ai dit aux gens, venez à l'école de la maman, ils ne viennent pas. Ils vont ouvrir vos yeux. Je vais ouvrir les yeux.
là là. Un homme qui vient vers toi, qui commence à te dire, je suis dans la politique, je veux que notre relation soit secrète, maman. Le gars, si j'ai au moins 5 bureaux, il ne veut pas que tu l'affiches pour que les autres lui mettent la pression. C'est tout. À Monaco, il a combien? Non, je suis dépassé. J'ai vu la photo de la petite, j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi-même, l'homme de Dieu, mon cœur fait boum boum. J'ai dit, tchèque. Ouais. Le gars, s'il mange pas n'importe quoi, hein. Il connaît les bons fruits. Non, j'étais surprise, mon général. J'ai demandé à la maman, mais qu'est-ce que ta fille, née en France, elle a fait ses études, hein, qu'est-ce qu'elle peut faire avec un monsieur comme ça? Ils se sont connus où? Parce qu'il y a toujours... Où est-ce qu'ils se sont connus? Elle me dit, sa fille... En fait, le monsieur l'avait repéré, hein. Il allait tout le temps au travail. Il a remarqué, comme elle est réceptionniste à l'hôtel de Paris, il a repéré la petite. Donc, il a bien repéré la petite. Il venait de temps en temps. Après, il a dit à la fille, on déménage. Parce que j'entends des gens qui disent que non, la maman veut un ministre pour sa fille. Moi, j'ai écouté ce que la maman a dit. Elle a dit, si je voulais des hommes pour ma fille, oui. Ma fille a tous les atouts. Je la prends, je la mène au Cameroun. Même des ministres vont tomber. Et ce n'est pas faux. Tu regardes la beauté de la fille, maman. La fille. J'ai appris à ma fille à travailler. J'ai appris à ma fille à travailler. Elle a été claire. Elle a été claire. Elle a été claire. Donc, la maman en a marre. Parce que pourquoi la mère aujourd'hui se bat? Parce qu'à un moment donné, sa fille ne lui parlait plus. Quand elle n'était pas d'accord, sa fille l'a bloquée. Il prenait le téléphone, mon général, il envoyait des messages à la place de la petite. Ouais, maman, arrête de me chercher. Je suis assez grande. Ne me cherche pas, je suis avec mon mec, je l'aime. C'est lui qui prenait le téléphone, il faisait des messages. Oh, vraiment, c'est vraiment, il faut vraiment qu'on soutienne cette petite-là. Vraiment, il faut que vraiment... En tout cas, Coco, on sait que tu nous écoutes, Coco. Coco, vraiment, ton mari est de retour. Vraiment, Coco, il faut l'amener vraiment au village. Ils vont vraiment l'attacher là-bas dans une petite case. Vraiment, on lui donne une petite machette, une daba, il va aller au champ, il revient du champ, il s'occupe de toi. C'est ce qu'il faut. Coco, là où il est arrivé, là, même si tu dois...